Good morgen, Aleiden, les suisses aujourd'hui le Nishmat Dov, Ben Yudith, Ben Ramram, Ben Chedva, Chaya, Esther, Bat Myriam, Mitzrak, Perez, Ben Fortuna. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat, Perekret, Mishnah, Hey, Adama, Kechotama, Martsoufim, Divre Rabbi Akiva, Vacharami, Omrim, Kechotama, Igrot. Zevel, Vecholadak, Kedei, Lezabel, Kelach, Shelkerouv. Divre Rabbi Akiva, Vacharami, Omrim, Kedei, Lezabel, Keresha. Cholagas, Kedeliten almelo kafsid. Kane, kedela sot kulmus. Vimaya ave omerusas, kedela vachel bo beitsa kala sheba beitsim, trofa onetuna ba ilfas. Alors, bon, on continue d'abord à détailler, à préciser les quantités requises de chaque élément pour transgresser l'interdit de porter à Shabbat. Parce que, porter à Shabbat, c'est une des melachot, mais tout, pour tout chaque travail de Shabbat qu'on transgresse, on est condamnable que si on a réalisé une melacha importante, un travail conséquent avec une quantité conséquente. Pour l'interdit de porter, alors il fallait, la généralité c'était, il fallait porter une quantité qui est d'usage de conserver à la maison, pas quelque chose qui est trop infime qu'on a l'habitude de jeter. Ouais, il faut porter quelque chose, de transporter quelque chose d'important. Si manger une quantité importante de nourriture qui... Et gros galette en général, ça va être une taille de figue moyenne. Si on veut transporter n'importe quoi, n'importe quel matériau. Donc du coup, on découvre dans toutes les Mishnayot, depuis maintenant plusieurs Mishnayot, on découvre pour chaque élément quelle est la quantité requise minimale. Et puis à présent, on continue avec Adama. Celui qui va transporter de la terre. Quelle est la quantité de terre minimale? Une terre, j'imagine, une terre mouillée, argile, comme ce qu'on a expliqué en fait. Une terre qui sert justement à sceller des choses. L'usage, il était... Aujourd'hui, on plombe les choses aujourd'hui, quand on veut que ce ne soit pas ouvert. À l'époque, on utilisait en fait une sorte d'argile qu'on confermait et qui séchait, comme ça, si quelqu'un l'a touché, on va voir que ça a été cassé, on ne peut plus le réparer. D'accord? Donc, Adama, quelle est la quantité de terre minimale requise? Et le Bartenor, il dit que c'était une sorte de... C'est pas vraiment de la terre, c'est plus tit adom. Tit adom, c'est-à-dire du béton, du mortier. Rouge, spécialement rouge, d'accord? Kechotam amartsoufim, de quoi fermer les. Pour sceller, chotam, c'est sceller, les martsoufim. Martsoufim, alors le bâtonnier explique, c'est lorsqu'on veut fermer des gros sacs que l'on va envoyer dans la mer, à outre-mer. Alors, on prenait, il y avait des gros sacs spéciaux, et on utilisait ensuite de l'argile, une quantité importante, cette argile rouge, pour sceller le sac. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva, donc il fallait une quantité assez importante. Chachamim me disent non, c'est pas la peine d'arriver à une quantité aussi forte. Il suffit de Kechota Maigrot, de quoi sceller une lettre. Le parchemin, on a écrit sur la lettre, on a roulé sur elle-même, et puis apparemment, on l'a fermé. Ensuite, lorsqu'on l'a fermé, et bien on mettait de l'argile, comme ça, si quelqu'un l'a touché, on voit que ça a été ouvert. Zevel Vecholadak, Zevel, c'est du fumier, Vecholadak est du sable fin. Maintenant, nouvelle quantité, quelle est la quantité requise? Alors, je vous dis tout de suite, ça sert pour l'agriculture, donc on va chercher en agriculture ce qu'il est d'usage de conserver en minimum. Pas de quoi mettre un engrais sur tout son champ, c'est pas la peine. Mais d'un autre côté, attention, on ne s'amuse pas à la maison à faire pousser une carotte ou un concombre. Si on fait pousser des concombres, on en fait pousser plusieurs. C'est déjà en travail, alors on en fait plusieurs d'un coup. Pas pour le plaisir de planter, parce que réellement, on faisait pour manger. Alors du coup, il va falloir chercher quelque chose qui est assez conséquent, mais qu'on peut malgré tout planter un seul. Et donc, qu'est-ce qu'il a trouvé Rabbi Akiva? Kedei l'Isabel Kelach Shelkrouv. De quoi mettre en engrais sur un Kelach Shelkrouv, une racine de chou. Ouais, un chou, ça arrive qu'on va se pousser un seul chou à la maison, puisque de toute façon ça va grossir, ça va donner une belle quantité. Dire Rabbi Akiva, tel avis de Rabbi Akiva, Kedei l'Isabel Keresha. Rabbim nous dit, non, c'est pas la peine d'arriver avec un chou, c'est une quantité trop importante. J'ai trouvé mieux encore, c'est que de quoi mettre en engrais sur un kereisha. Il explique le Bartenois, karti, c'est le poireau. D'accord? C'est pose aussi un poireau à la maison. Chol agas, maintenant, quelle est la quantité de sable épais? Là, on avait avant, c'était la quantité de sable fin. Sable fin, il marche encore pour faire pousser les choses. Sable épais, il fait rien pousser. Alors à quoi, pourquoi on le garde, le chol agas? Quelle est la quantité minimale requise qu'il est d'usage de conserver? Alors, que déliten al melo kafsi, de quoi mettre sur une bonne cuillère de soude. La soude, cette fois-ci, on parle de chaud. La chaud qu'on. Le partenaire, il dit le tsayadim, ceux qui peignent.
On peignait les maisons avec du blanc, mais comme aujourd'hui encore, il y en a qui utilisent de la chaux pour peindre la maison, pas de la superkyle, pas de l'acrylique. On mettait de la chaux, on étalait de la chaux maintenant. On badigeonnait de la chaux. La chaux, il fallait la mélanger avec du sable. Comme ça rapporté dans le Gemara, dans le Batra, dans plusieurs... Et du sable. Donc, pour une bonne cuillère de chaux, il y avait une quantité de sable requise, et bien il fallait mettre cette quantité de sable qui est d'usage de conserver. Et donc, quand on sent ça, l'interdit, si on va le porter pendant Shabbat. Canet, c'est un roseau qui est dès la saute koulmous. Alors, de quoi faire avec lui un koulmous, une plume, mais pas une plume, un stylo. D'accord? On en faisait une plume pour écrire, on prenait un morceau de canet, le bartender précise, il faut que ça lui arrive jusqu'à hauteur, c'est un peu discuté, est-ce que c'est la moitié des doigts ou jusqu'au haut des doigts? Lorsqu'on prend un stylo, qu'on le tient en main, alors on veille à ce qu'il soit, si on l'attrape comme ça à l'époque, j'imagine qu'ils écrivaient comme ça, donc il fallait de quoi le tenir avec le bout des doigts, et qu'il soit bien calé entre les doigts aussi. Donc si tu as une quantité de roseau de quelques centimètres suffisante pour qu'on puisse en fabriquer un stylo, eh bien on transgresse à l'interdit si on transporte ce roseau dans la voie publique. Ça c'est si le roseau, c'est un bon roseau pour écrire. Par contre, Vimaya avait Omerusas, par contre si le roseau il était trop épais, donc pas pratique pour en faire un stylo, ça ne fait pas une belle écriture. Omerusas, c'est qu'il était déjà chavour, il était cassé, brisé. Donc on ne peut plus en faire un beau roseau, un beau stylo. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Cette fois-ci, non, ça devient maintenant un combustible. Alors, Kedele Vachel, je traduis la phrase, après j'explique. C'est une phrase qu'on retrouve souvent dans Shabbat. Kedele Vachel Bobetsa Kala Shababetim. De quoi faire cuire un œuf simple parmi les œufs, troufa qu'on a battu avec de l'huile, Venetuna Bailfas et qu'on va verser dans une poêle. Et j'explique. On va voir la faire cuire à Shabbat. Alors en fait, la Michal me dit, tu sais, si. Maintenant, le roseau, il est devenu tellement épais, on ne va plus l'utiliser pour faire un silo, on va l'utiliser pour faire quoi? Pour faire un combustible. Alors là, maintenant, la quantité de combustible nécessaire, c'est de quoi faire cuire quelque chose de conséquent. On ne s'amuse pas à faire cuire à la maison une petite graine, ou une petite rondelle de tomate, ou peu importe. Hein. On fait cuire quelque chose de conséquent. Donc, si on fait cuire quelque chose de conséquent, il va falloir garder un combustible conséquent. Quelle est la plus petite chose qu'il est d'usage de conserver, et qui nécessite pas beaucoup de combustible pour cuire en fait. Et la réponse elle est que l'œuf, une fois qu'on le casse et qu'on va le mélanger, qu'on va le battre, on va le manger avec de l'huile, apparemment j'imagine que ça va mieux capter la chaleur. Alors, il suffit de prendre en fait, vous prenez une poêle, vous la chauffez avant de mettre l'œuf dedans, de manière à ce qu'elle va être chaude, elle est assez grande, vous la chauffez, donc là ça va vous prendre, puisque cette fois-ci, ça va être en contact direct avec le feu, ça va prendre une certaine quantité, mais ça va être une quantité pas très grande de combustible. Et dès qu'elle va être assez chaude, maintenant, vous pouvez verser votre œuf directement. L'œuf, il cuit facilement, vous l'avez mangé à l'huile pour que ça cuise vite. Et vous avez déjà chauffé la poêle. Et bien, la quantité de combustible nécessaire pour que la poêle puisse atteindre cette chaleur, de manière à ce qu'on va faire cuire l'œuf de la sorte, c'est ça la quantité de combustible requise ici, pour transgresser l'interdit de porter à Shabbat si on a transporté ce roseau. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.